Salut tout le monde, c'est Gister. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 56 du Let's Play sur Red Dead Redemption 2 et on va faire la dernière mission, ce qui va conclure le mode histoire. Honnêtement, je peux vous dire que ça fait plaisir enfin d'arriver à la dernière mission, même si ça me rend un peu triste quand même parce qu'on aura passé de bons moments. Ça sera pas vraiment la fin du Let's Play étant donné qu'on a encore plein de trucs à faire, j'ai décidé de faire du Let's Play un petit peu plus longtemps avec comme vous avez pu le voir la scène au début où j'ai fait un magnifique montage avec tous les défis que j'ai fait en off. D'ailleurs j'espère que ça vous plaira. Actuellement je l'ai même pas encore monté ce passage, donc je vais le monter juste après que j'aurai tourné cet épisode. Et let's go. Abigail dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? Donc là, normalement, une fois qu'on aura fait cette mission, on sera à 90% du jeu. Donc il nous restera 10% pour arriver au 100%. I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this? Well, this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, effectivement, c'est pas beaucoup. Then one of Jack's dragons. Ça montre qu'on aura fait beaucoup de quêtes secondaires. You to understand. This is it. This is. C'est surtout ce qu'on a fait au tout début du Let's Play. Au début, on se promenait un peu partout. I ain't got no other choice. Puis vers la fin, on a commencé à s'intéresser un peu plus au mode histoire parce que sinon, on n'avait jamais fini. Et voilà quoi. Le principal, c'est qu'on a profité. Et c'est pas fini. On a encore plein de lieux à découvrir, plein de choses à faire. Et là, le mode histoire va se finir sur cet épisode. Cleat. Quel nom bizarre. Cleat. Désolé pour tous ceux qui s'appellent Cleat et qui regardent cette vidéo. Je pense pas qu'il y en a beaucoup. Hein. Déjà parce que Cleat, j'ai jamais entendu quelqu'un qui s'appelle comme ça. Alors peut-être que c'est un prénom courant aux États-Unis, mais ça m'étonnerait étant donné que j'en ai jamais entendu parler avant RDR2. Soit c'est un prénom inventé, soit il existe et que c'est vraiment un prénom ultra rare. Ou alors c'est un prénom qui a existé et qui a disparu. Ça se peut aussi. Plein de possibilités diverses et variées. Ah là là. Ça va être beau. Oh, je peux vous dire, ça va être beau. Attendez-vous à voir quelque chose d'épique. Encore plus épique qu'un porc épique. Vous pensez encore plus épique qu'un porc épique? Ça veut dire que c'est vraiment épique. Allez. Cleat. Bon, on y va.
Chercher Clint à Strawberry. C'est pas lui là-bas? Ah si, c'est lui. Reviens ici. Reviens ici. Bah. Et John, il faut vraiment que tu fasses un régime, hein. Ah bah, Sadie a été plus rapide. Mais comment elle a fait pour se téléporter ici? En fait, elle est magicienne. With pleasure. Où sont les pains en chocolat? Je vais pas le répéter deux fois. J'ai dit où sont les pains en chocolat? Le lait après les céréales? Ou les céréales avant le lait? Parle. Hey. Where's Micah? I don't know. I ain't seen him. We fell out. You know what? Okay. Let's hang the bastard. What? Bonne idée. On va le lyncher. Bring him up to the gallows. Allez, viens, mon coco. Je vais te traîner comme une serpillière. Serpillère, pouah! Allez! C'est pratique, hein? Je nettoie ton. Je nettoie le sol avec ton corps. Allez, monte! Monte, monte, monte! Monte! J'ai pas ton temps, moi! J'ai pas ton temps! Allez, move! Move! Allez, on va l'attacher. Ça, c'est la corde autour du cou. Alors, il est où, Micah? Il est où, Micah? Tu mens! Où il est? Attention. Ok. Murdering that little girl. We fell out. Honest. Please, I'm one of the good guys. T'as l'air d'être un bon gars, toi. Hang him. Il a dit, je lui ai empêché de tuer quelqu'un. De tuer une fille. Non, non. On va l'épargner. Not like this. Thank you. Thank you, John. No. Come on now. You won't ever see me again. I said, hang him. As you wish. Non. Ah, ok. Bon. Bon, bah, je voulais le sauver, mais... Ça dit, il a décidé autrement. Bah, ok. Bon, bah, finalement, ça servait à rien. Mais il avait sauvé une fille. Il était pas vraiment méchant. Bon bah au moins il est mort avec une balle dans la tête. C'est moins douloureux que d'être pendu. Même si c'est une mort de merde, mais... Brutal, certes. Rapide, certes. Mais moins douloureuse. On s'arrête manger un petit bout. Parce que ça en fait du chemin. Ce passage nous mènera jusqu'au sommet.
Ça a l'air haut. Oh. Ok. Ok, 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 ok. Il est où? Ok, il est là-bas. Reste à couvert, reste à couvert, t'inquiète pas. Ouh. Doucement, mais sûrement. Ok. On y va. Reste caché. On avance. Ok. Allez, dans la tête. Retournez voir Charles. Allez, t'es où? Ah, il va pas bien. Attends, je vais juste me prendre un peu de... Ah bah non, je peux pas. Bon bah au pire aussi. Allez, on va essayer d'avoir la médaille d'or sur cette mission. On va essayer. Après, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'ennemis. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend les carabines, les pistolets ou... Ou c'est pas une bonne idée? Allez, on y va. Oh, écoutez cette musique. Écoutez cette musique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va barder. Mais genre vraiment. Ah oui! Ah oui, effectivement. Faut faire attention. Et là-bas. Tranquille. N'oubliez pas les parcils. You pathetic. Eh ouais, ils sont pathétiques. 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 Mince, comment j'ai fait pour le louper, lui? J'ai dit pathétique. Pathétique. Very, very pathétique. Tellement pathétique. Allez. Let's go. On a du pain sur la planche. Faut se dépêcher, sinon il va griller. Ah! Désolé toi, je t'avais pas vu. Tu pensais vraiment que j'allais te laisser en vie? Oh le Père Noël. Donc je dois avoir une précision de 85%. Là je mets que des têtes, normalement ça passe. Concrètement. Oula, oula. Lâche-la, lâche-la. Aïe. Bon bah... Bon bah ça c'est pour Arthur. Et ça c'est pour... Osei. Il était sympa Osei. Et Lenny. Allez, lève-toi. You're dying. I'll be fine. Just... Ça va aller. I ain't dying. I ain't. I hope not. Ça va aller, t'inquiète pas. I ain't dying. Go get him, I'll be fine. Bah, elle va pas mourir. Okay. Charles, stay with her. Charles, you worry about yourself. Allez, si on peut finir le jeu.
avec une médaille d'or. Vous allez tous crever. I'm dead. I am massacre. I am very massacre. Massacre à la tronçonneuse 5. Ouh. Je me plains des fois de mon fusil à verrou, mais qu'est-ce qu'elle est emblématique cette arme. Déjà, je l'ai kiffé sur Red Dead Redemption 1. Mais sur le 2, oh là là, en plus avec les gravures. Oh, regarde. Oh. Oh non. Allez, t'as tout ce qu'il te mérite, même si... Ouais, non. C'est tout ce que tu mérites, ouais. J'ai mal formulé ma phrase. Je suis peut-être un cowboy, mais je suis pas prof de français. On peut pas tout faire dans la vie. Ah, derrière! Attaquant traître! Comment vous osez? Oh! J'arrive! Mince, j'ai plus de... Le sang-froid! Merci. Toujours prendre du sang-froid. Oula, ils sont beaucoup là. Oula, vous êtes beaucoup les amis. Je vous dérange! Oh, je vous dérange! C'est bon, on a fait le ménage là. Ah, 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 ah! Coucou! C'est moi! Coucou! C'est moi! Coucou! C'est encore moi! Coucou! C'est moi! Oh! Lui, il dormait, il s'est dit: oh, j'entends des coups de feu, je sors ou pas? Allez, je sors! Boum! Bon, là, je pense qu'on a la médaille d'or. Là, obligatoirement, on l'a. À coup sûr. À coup sûr, on l'a. Même si j'ai plus mon chapeau. Bon, je dois vous dire que j'avais déjà fait cette mission. Mais vu que je l'avais mal faite, j'ai décidé de la recommencer pour que ce soit encore plus épique. Et est-ce que Laura, c'est un ennemi? Je pense que c'est un ennemi. Je pense que c'est un ennemi, Laura. Faut le tuer. Did you miss me? Not much. Been a few years. Effectivement, ça fait un bail. How's that whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time. Je te permets pas. T'as vu comment tu parles de ma femme? So it seems. Tu vas mourir. Aujourd'hui, sur cette montagne. I'll go pay her a call. And the boy. Whatever you say. Couche toujours. Tu diras bonjour. En enfer. Oh là là. Pourquoi je peux pas prendre... Punaise! Aïe! Punaise! Voilà, j'avais besoin de sang-froid. Il est où? Ah, je peux pas utiliser de sang-froid! Punaise. Ah, je peux pas utiliser de sang-froid.
Ah, c'est bon. Ah, il fallait pas que je lui tire dessus. Je pense qu'il est immortel à ce moment-là. Mais j'espère que ça va pas compter pour la précision. Hein. Comme en bon vieux temps. Ah, ça te rappelle des souvenirs. Retourne-toi. Et avance. Chien. Et ouais, elle t'a eu. Pas vraiment. Mais du coup, est-ce que ça compte la précision? Vu que je l'ai touché, mais je sais pas si je l'ai vraiment touché. Allez, s'il vous plaît, pour la dernière mission, la médaille d'or. Ça fait plaisir. Ah. Ouais. Bah, je disais que tu vas finir en enfer. Same as you, I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got tes rêves, tu peux les oublier. Join us, John. Join us. Let her go. Laisse-la partir. I can't do that, John. Pourquoi? Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You just cared for yourself. Bah non. I think differently. Join us. Effectivement. Join us, John. Let her go. Non. She ain't well. Ah, elle va pas bien, quoi. Laisse-la. Arthur saved my life. More than once. Plus d'une fois. Exactement. Ouais, mais j'oublie pas sa mémoire. Dutch. Allez, Dutch. Dutch. We all did our best for you. Ain't our fault. Things turned out the way they did. Ouais, effectivement. Dutch. Killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Say something, Dutch. Dis quelque chose. Say something. I alors? Got too much to say no more. Ah. Ah bah voilà. Ta-da-da. You shot me. Bah ouais, ouais, ouais. You shot me pretty good. Oh. Quoi? Oh, tu regarderas sur ton nez, t'as de la confiture. Ah bah, tu vas où comme ça? Ah, pas très loin, on dirait. Pas très loin, on dirait. Bah alors, mon petit Mika, ça tourne pas rond? Ça tourne pas rond chez toi? T'as loupé une marche? Et Dutch s'en va. You okay? Pour ceux qui ont joué au 1, on sait ce qu'il devient crazy. Après. I hope so. Help me up. Peut-être que je ferai un let's play sur le 1. Hein. Ça serait logique étant donné que le 1 se passe après le 2. Mais étant donné que dans le 1, ils n'ont pas pris des trucs en compte dans le 2. Étant donné que le 2 a été imaginé après le 1. Mais l'histoire du 1 se passe après le 2. Ah d'accord. Bon bah c'est le jackpot. C'est le jackpot. C'est le jackpot, les potes. Ça se trouve le nom jackpot. Enfin le mot jackpot, ça vient d'un mec qui s'appelait Jack et il avait un pote et... Un jour, il est venu voir son ami, il a dit... Bah, jackpot. C'est nul. C'est nul, ça veut rien dire. Il n'y a aucun lien dans la blague. C'est totalement pourri à souhait. Jack, uncle, come out here.
Je comprends. Là, je suis en train de rafraîchir la page pour voir si j'ai la médaille d'or. It's over, Abigail. Mais là, je la mérite, quoi. It's all over. Allez, s'il vous plaît. I'm going to where the sun burns in the heat. Alors, les crédits. Eh ben voilà, les crédits. Ça, c'est la hantise des youtubeurs. On sait pas ce qu'on va dire sur ça. Je veux dire, il y a des mots qui défilent, des noms. Qu'est-ce qu'on va dire? Voilà. En plus, ça dure plusieurs minutes. Voilà quoi. Oh, on a eu la médaille d'or. Bravo. 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 Ah là là. C'est ce qui s'appelle finir en beauté. Voilà. En beauté. Après, c'est vrai que GTA V, c'était plutôt, on va dire, axé vers le délire. Moi, je me rappelle, j'avais préféré, je préfère toujours GTA 4, pour ma part, si j'ai beaucoup joué à GTA V. Voilà. Et là, on voit la Pinkerton. Et en fait, ce que le jeu veut nous faire comprendre, c'est que si John n'avait pas tué Mika, eh ben, ils auraient aucun moyen de trouver la trace de John. Et des événements qui arrivent dans le 1, bah c'est à cause de cet événement-là, quoi. Sans quoi, bah John, il aurait pu vivre toute sa vie tranquillement. Alors oui, comme j'ai dit, là on voit Charles. Donc ça, après, c'est pas dit, mais Charles et Sadie partent au Canada. Enfin non, Charles part au Canada et Sadie part au Mexique. Alors oui, je vais quand même aussi parler du personnage Arthur. Je me rappelle, à l'époque où Red Dead Redemption 2 a été annoncé, les gens disaient « Ouais, mais Arthur serait pas un personnage aussi meilleur que John Marston. » Et honnêtement, il y en a beaucoup maintenant qui pensent que Arthur est meilleur que John Marston. Peut-être. Peut-être pas. Mon avis, c'est que Arthur, c'est un personnage énorme. John, c'est un personnage énorme. Je peux pas dire qui est le meilleur. En fait, les deux sont équivalents. Les deux sont tout simplement des personnages bien écrits, bien vivants. C'est fou, comme j'ai entendu par exemple pour ceux qui... Arthur... ont vraiment touché, quoi. La mort d'Arthur a vraiment touché beaucoup de monde. C'est là qu'on se dit que Rockstar a vraiment bien fait son travail en faisant en sorte qu'on s'est attaché au personnage. Alors bien sûr, moi je vais recommencer une nouvelle partie. Je vais jouer aussi sur cette sauvegarde. Mais je vais recommencer une nouvelle partie pour jouer Arthur. Mais rester avec Arthur sur une sauvegarde, quoi. Avec les camps et tout ça, je me suis pas plus intéressé que ça. Et j'ai loupé beaucoup de trucs. En tout cas, c'est pas la fin du let's play, c'est la fin de l'histoire, comme je vous ai dit. On va continuer, il y a encore plein de trucs à découvrir. Restez jusqu'à la fin. Parce que je peux vous dire que si vous aimez voyager, on va voyager. Pour la fin, on va vraiment voyager. En plus, là, on a beaucoup d'argent. Donc, c'est bien, quoi. Alors, à la base, je devais pas l'avoir, Red Dead Redemption 1. Mais, je vais vous raconter ça, hein, je sais pas si ça vous intéresse, mais c'est une anecdote. Mon père, qui a voulu me l'acheter, parce que il aimait bien les trucs... de western et tout ça, et moi aussi à cet âge-là, je commençais à regarder
Et même avant, je regardais les films de western, Far West, avec Clint Eastwood. Le bon, La Brute, le truand, je vais pas vous faire un dessin, ça c'est des films très très connus, après il y en a d'autres. Et forcément, moi ça, vu que ça m'a plu, je me suis dit, bah vu que j'aime bien GTA, et que c'est les mêmes développeurs, eh ben on va voir ce que ça donne. Et finalement, un régal, tout simplement. C'était un régal. Donc là, on voit Pearson. Et là, il se remémore les souvenirs. Tout compte fait, tout se finit bien. Hein. Si on joue pas au 1, si on joue pas au 1, tout se finit bien. En tout cas, je pense qu'ils ont plutôt bien réussi. Mais je me rappelle à l'annonce de Red Dead Redemption 2, j'adore comment ils annoncent un jeu Rockstar. Pour vous dire, hein, moi je me rappelle l'année où ils ont annoncé GTA V, c'était en 2011, la fin 2011. Ils ont bloqué le Rockstar Social Club et ils ont juste affiché le logo GTA V. Mais comme ça, pas de trailer ou quoi, juste un logo GTA V. Et laissez-moi vous dire que ça a déclenché un raz-de-marée. Et là, pour Red Dead Redemption 2, bah, ils ont fait pareil. C'est-à-dire que sur leur photo Twitter, ils ont mis le logo Rockstar en rouge. Et là, on s'est tous dit, Red Dead Redemption 2 arrive. Bon, finalement, il est arrivé 2 ans après. Mais il est arrivé. Bah, la copine d'Arthur, sur sa tombe, elle l'avait pas oublié. Hein. En même temps, comment oublier Arthur? Comment oublier un personnage comme ça? Je pense qu'il n'y a pas photo. Pour GTA 6, il faut qu'il refasse un jeu plus axé vers le réalisme. Un peu comme GTA 4, avec une conduite nerveuse comme ça, mais améliorée. Et là, on voit la Pinkerton. Mais ça va, quoi. Il laisse la famille de John. Au final, on peut pas vraiment en vouloir à la Pinkerton parce que, je veux dire, c'est leur boulot, quoi. Là, ils auraient pu capturer John, mais là, ils voient qu'il est avec sa famille et il le laisse vivre bien pendant 4 ans, quoi. Vu qu'il se passe en 1907, l'épilogue, et Red Dead Redemption 1 se passe en 1911. C'est pas tant des enfoirés que ça, quoi. Bon, après, pour ce qu'ils font à la famille de John dans le 1, voilà. Et là, on voit pluie battante. L'aigle pourrait être Arthur, hein. On ne sait pas. C'est pas beaucoup. Mais bon. Ah, c'est bon?
I don't want to talk about that. Ah, d'accord. No more that. It's over, Abigail. C'est fini tout ça. I'm sure. Then get to work on this ranch you own and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Me? Non. Never. Jamais. Never. Anyway. Never. I thought you liked this place. Bon. No, John, I don't like it. Restez. I love it. Jusque, bah jusqu'à la fin, hein, parce qu'on a encore plein de trucs à faire. En tout cas, pour ceux qui sont restés jusqu'ici, eh ben, chapeau. Là. Chapeau, en tout cas. You okay, woman? Never better. Tout va bien? Me neither. Me neither. Good. Well, you take care now. Ma PS4, il fait un bruit d'Airbus. Même ma PS4, elle est contente. Même ma PS4. C'est quand même incroyable. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'espère que la vidéo va pas bugger. Ah, s'il y a une vidéo qui doit pas bugger, c'est bien celle-ci. Hein. Bon, je vais voir dans la progression. Normalement, mission, il y a... Ah bah voilà, c'est fini. C'est fini. On a les repères de bandes, on a les tombes. On a les tombes qui se sont débloquées. Les éléments à collectionner, ça va, c'est pas difficile, c'est surtout long. Là, il me reste les poissons, les plantes, 44 armes sur 48. Est-ce que en même temps on ira récupérer l'arme d'Otis Miller? Enfin, ça s'appelle comme ça là. 4 sur 9, ça va. Et en divers, j'ai tout fait. Voilà, donc on s'approche vraiment des 100%. On met la tenue d'Arthur. Allez. On met la tenue d'Arthur. Pour lui rendre hommage. Le souper familial est disponible à l'endroit suivant. Oh, super, on va manger. J'ai faim. Du coup, il y a tout le monde à table? Ah oui. Bonjour. You're confusing the boy. Oh, he's fine. Confused already with you for a parent. Oh, l'enfoiré. Everything else? There's no damn hope for him. I'll see you around. Après, on va repartir à l'aventure. Bon, allez, on mange. C'est pas le ragoût de Pearson, mais c'est le ragoût d'Abigail. Aussi bon. Coucou! Let's go, hein. Ah oui! Ah oui, ah, par contre, les amis, vous êtes un peu beaucoup. Non, mais j'ai dit vous êtes beaucoup, mais c'est pas pour ça que vous allez me faire peur. Comme on dit, l'union fait la force. Toi, t'as eu beaucoup de chance. Maintenant que j'ai fini la quête principale, je peux vous dire que je vais faire le ménage. Il en reste plus que 4. Ça va être assez rapide. Allez, on va finir les deux autres au pont. Voilà. Bah voilà. Oui, non. 30 degrés. Oh, ah, il fait 30 degrés.
et on y est. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le 1, bah ça, c'est une ville fantôme. Service d'hôtel. Best to look in the catalog describes what we got. Now let's have a look. Accessoires. Alors pour mon défi des armes, est-ce qu'il n'y a pas une arme que je peux acheter? Pistolet volcanique, non. Le carcano. Nice weapon. On va l'améliorer au max, hein. I got some new stocks that fit this nice. En plus, je sais même pas si j'ai des réductions. Good. Lunettes longues. If you want a new stock for this, I got a few buttes. Protection. Can't go wrong there. Style. Gravure, non. Métaux. Cuir. Vernis. On va choisir ça. C'est bien ça. Munitions. Balle pour fusil. Nice choice. Aha. Acheter des balles. Ensuite, style, métaux. Voilà. Ce que je comprends pas, c'est où il est le Mother. Où il est le Mother? Mister, you can get a bath here for a good price. You... bizarre. Alors, vêtements, qu'est-ce qu'il y a comme tenue? Tumbleweed. Ah, c'est déjà mieux. Le vagabond. Ah non, moi, je préfère très clairement. Cette tenue convient aux fortes chaleurs. Bah c'est parfait. C'est parfait. C'est tout. Chasse et pêche. Mm-hmm. Alors là, des appâts, je peux en prendre plein. Hein. Nice. En acheter beaucoup. Voilà. You need anything else? Bon, bah ça va, on est bien comme ça. Alors, l'écurie, elle se trouve là-bas. Oh. Acheter un cheval.
Ah bah voilà! Ah bah voilà! Bon, il est certes pas très puissant, mais... C'est celui que je voulais. Alors, comment on va l'appeler? Comment on va l'appeler? Ok, ça dépend. Femelle. Ah, d'accord. Je voulais savoir. On va l'appeler... Paradisa. Allez, Paradisa. On la rappelle exactement comme mon autre cheval que j'avais eu pratiquement au tout début. Toi, je te vends parce que je t'aime pas. Voilà. Amélioré. Ah oui, j'ai une nouvelle selle. Je vais pouvoir vous montrer ça. Real fine saddles here. Celle préachetée. Sac de couchage. Good saddle will go a real long way. Trust me. On va mettre celle-ci. On va customiser un peu notre cheval. Apparence, crinière. Ah, nice. On va le customiser. Comme ça. Voilà. Service. Ensemble de soins. Et c'est bon. Et ben voilà. J'ai le cheval que je voulais. C'est peut-être pas le cheval le plus rapide du jeu. Mais c'est un cheval qui me plaît. La map elle est marquée. C'est un nom cet endroit. Oui, je me souviens cet endroit dans Red Dead Redemption 1. Et je me disais, mais à quoi il sert? Parce que ça montait comme ça, et je me demandais, mais à quoi ça servait? Maintenant, je sais. Coucou, y a quelqu'un? Il y a un coffre. Avec beaucoup de trucs dedans. Photo érotique. Oh, le pistolet. Photo érotique. Ah oui. Et on va le remplacer par le pistolet Midnight. Ah oui.
Alors, je crois que c'est le plus beau revolver du jeu. Hein. Ah oui, très clairement. On va voir ce que ça donne comme ça. Ah ouais. Ah, ça va bien. Ah, ça va bien comme ça. Ok. Bon, bah, je vais pas montrer les photos érotiques, hein. Pour une raison complètement évidente. Une flèche à petit gibier. Je peux en fabriquer une ou pas? Ah oui! Je peux en fabriquer. Du calme, du calme. Du calme. Du calme. Du calme. Ah mais j'en avais déjà. Bon bah de toute façon il s'est barré le serpent. Ah non. Il est là-bas. Mais il se barre à cause de ça, mon cheval. Et c'est qu'un serpent. Bah, je loupe. Nice. En plus, j'en avais besoin. Crota la queue noire. Bon bah voilà. Bon bah nous je pense qu'on va s'arrêter ici. Hein. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Honnêtement, pour les 100%, je sais pas à quoi m'attaquer. Hein. Il y a tellement de trucs. Je pense que je vais faire les défis. Et après... Je finirai par les trucs les plus faciles. Logiquement. Hein. C'est mieux de commencer par les trucs les plus compliqués pour finir par les trucs les plus faciles. Je peux rentrer dans la cabane? Ah oui. Je peux même dormir? Ah bah ok. Ah bah c'est génial. Bon bah moi je vais passer une petite journée ici. Voilà, je vais sauvegarder. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao, ciao.